السلام عليكم اخوتي الطلبه، سوف نكمل في دروس البيولوجي سيلر وفي درس لاسيليل او الخليه الوحده الاساسيه. اليوم راح نتعرف على لاسيليل اوكاريوت. اوكاريوت معناها خليه عندها نواه حقيقيه، خليه كامله، خليه تعتبر وحده بنائيه اساسيه متكامله. نعم، avant de cours, savoir les gènes d'une cellule eucaryote, connaître la notion d'organisme uni et pluricellulaire, connaître les principaux organites et savoir décrire brièvement leur rôle, savoir distinguer cellules eucaryotes et cellules prokaryotes. Voilà, généralité, les cellules eucaryotes composant les champignons, les animaux et les végétaux. Leur métabolisme est aérobé. Ce sont des unicellulaires, le verre par exemple, ou des pluricellulaires, les mammifères par exemple. Tous les cellules eucaryotes comportent deux compartiments, le noyau et le cytoplasme. Elles sont séparées d'un milieu extracellulaire par la membrane plasmique. Le noyau caractérise le rein eucaryote et il est absent chez les cellules prokaryotes. Gonna le noyau les eucaryotes kaina, les prokaryotes ma kach. Pas de noyau prokaryote, pas de noyau. C'est comme ça. Remarque. Les protistes sont des unicellulaires qui peuvent se subdiviser parfois arbitrairement en protophytes appartenant à un règne végétal, exemple algues unicellulaires, les algues, et protozoaires, des reines animales, exemple les amibes. Les pluricellulaires peuvent être classés en métaphytes appartenant au règne végétal. Kingulo métaphyte, végétal. Et métazoaires, des reines animales. Les zoaires, métazoaires, les zoaires, les animaux. On estime à 100 000 milliards de nombre de cellules composant un être humain adulte. Le schéma d'une cellule eucaryote animale avec ses principaux composants. Un microtubule, les mitochondries, un noyau. Enveloppe nucléaire, nucléole, elle est dans le noyau. On a le chromatine, le noyau, on a le réticulum endoplasmique lisse, la chebaka الفعاله ou le ملساء. On a le membrane plasmique, on a les grains de glycogène, le réticulum endoplasmique granuleux ou la rugue, la chebaka الفعاله المحببه. On a le peroxysome, on a le ribosome libre, appareil de Golgi, le sac de Golgi. Et aussi. Voilà. Compartiment de la cellule eucaryote. Le noyau. Eucaryote, le noyau eucaryote est un compartiment délimité par l'enveloppe nucléaire percée de pores nucléaires qui permettent une nawat muhata bi jidar ou غشاء نووي. هذا الغشاء النووي يتخلله ثقوب، هذا الثقوب راح يخرج منها من بعد الآريان ميساجي. قلنا لو نوايو اي لو سيتوبلازم ايشانج نيكليو سيتوبلازميك. لو نوايو كونتيان لاديان اسيد ديزوكسي ريبونيكليك fragmenté en chromosome et dans lequel est stocké l'information génétique. L'ADN يحمل l'information génétique, المعلومات الوراثية. Le cytoplasme, les cytoplasmes, c'est lié à ce profil.
Le cytoplasme contient plusieurs types de constituants individualisés sur le plan morphologique, mais métaboliquement interactifs. Le cytosol est un cytosol encore lié au plasme. Le cytosol est une sorte de gel dans lequel baignent les organites cellulaires, cytosquelettes, ribosomes libres et plusieurs types d'inclusions non limitées par une membrane lipidique, glycogène. De nombreuses réactions biochimiques ont lieu dans le cytosol, exemple la glycolyse. Remarque, la cytoplasme égale la cytosol plus les organites, les cytosquelettes, les ribosomes et les inclusions. Le système endoplasmique. En gros, là, le système endoplasmique est un ensemble de compartiments membranaires intracommunicants car les constituants de leur membrane. Le système endomembranaire est un ensemble de compartiments membranaires intracommunicants car le constituant, yani, le système, متصلين مع بعضهم بالغشاء يعني عندهم غشاء واحد متصلين به car les molécules solubles dans leur lumière, cavité, peuvent passer d'un compartiment à l'autre par le phénomène du flux membranaire. Ces compartiments membranaires communiquant entre eux par l'intermédiaire de vésicules, le حويصلات, le système يتصل فيما بينه بالحويصلات. On distingue ainsi le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, l'endosome, l'isosome et les vésicules. يعني هذا السيستم يتكون من الريتيكولوم اندوبلازميك لاباراي دو جولجي لوندوزوم ليزوزوم اي الفيزيكين هذا واش باش يتكون لو ميتوكوندري اي البيريكسوزوم Les mitochondries assureront la respiration cellulaire, consommation d'O2, production de CO2 et de H2O, et la synthèse de la molécule riche en énergie, l'adénosine triphosphate ou l'ATP. Elles jouent aussi un rôle majeur dans la mort cellulaire programmée ou l'apoptose. La mort cellulaire, en gros, est l'apoptose. Le peroxysome sont de petites organites impliquées dans la destruction des radicaux libres et toxification. Peroxysome les radicaux libres. Le cytosquelette est un réseau de filaments protectifs permettant de maintenir la forme de la cellule et l'enjussement de ses organes dans le cytoplasme. Elle est aussi responsable du mouvement cellulaire et des trafics intracellulaire. Le membrane plasmique, c'est une frontière entre le cytoplasme et l'environnement extracellulaire. Elle permet et régule les échanges entre le milieu extra et intracellulaire. Elle permet ainsi la cellule d'interagir avec son environnement. Principale différence entre les cellules prokaryotes et eukaryotes. On distingue les différences. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, c'est pour les archaïa et pour les virus. Et merci pour votre attention. Quelqu'un qui a une question, elle va poser dans les commentaires. Qui a besoin d'aide ou me contacter sur les commentaires. Et merci.